Coupant comme une lame, rapide comme l'éclair. Ceux qui voudraient me suivre, ils sont tous loin derrière. Je suis Sonic l'électronique, je suis Sonic supersonique. Cours parti, cours par là, tu ne m'auras pas. J'ai la pêche et j'entraîne ceux qui sont dans mon camp. Et qui même me suivent, nous allons de l'avant. Je suis Sonic le sympathique, je suis Sonic le romantique. Cours parti, cours par là, tu ne m'auras pas. Sonic, allez accrochez-vous, tant pis si je cours plus vite que vous. Sonic, le champion c'est bien moi, vous traînez le pas. Vous ne m'aurez pas. Sonic, plus rapide que moi, plus malin, plus rusé, y'en a pas. Et si vous tentez de me dépasser, il faudra vous accrocher. Bleu, c'est phénoménal! Tu ne peux pas prononcer comme tout le monde. C'est phénoménal, tout court. Oui, forcément. Toute la régulation se fait à partir de là. Non? Ce truc à son poignet. Je crois savoir, Sonic. C'est bien ce que je pensais. Une grille protectrice. Ah, et ça complique les choses. Le quadrillage est si tenu que même un souriceau ne pourrait s'y glisser. Un souriceau, certainement pas, mais un hérisson, sans probe. Ya! Nicole, passez-nous la grille en quatre dimensions. Très bon, image holographique. Colorisation de chaque carré et agrandissement 5 fois grandeur normale. Tu es sûr de pouvoir passer à travers ce filet? Non mais, c'est à moi que tu poses cette question. Sally, est-ce qu'un bleu est bleu? Un poisson rouge, rouge? Un jaune d'un... Excuse-moi, Sonic, ça m'a échappé. Mais ça va, mais ne recommence pas. Merci, merci beaucoup. Eh bien, réveillez-vous, ça mérite un tonnerre d'applaudissements. Ne craignez rien, j'ai un paratonnerre ici. Bien, Sonic, pense plutôt au coupe-circuit. Vu, Nicole, veuillez localiser l'ouverture. Localisation. Ouverture localisée. Attention, il va y avoir quelques percussions dans le jukebox. Sors de là! Le trafic intérieur de Robotnik est paralysé. Ne serait-il pas temps de quitter les lieux? Oui, on passe par les souterrains. Par où, Sally? À droite. Non, à droite, ça voulait dire à ta gauche? Oui. Donc, à gauche, c'est à ta droite? Ben, oui. Ah, ça se complique. Excusez-moi, j'ai oublié mon lait sur le feu. Et si la gauche est à droite et la droite à gauche, et ça veut dire au milieu? Oui, enfin, entre les deux. Non. Non. Oh. Ah. Je vais nous sortir de là. What's Sonic? Non. Ah, Antoine! Besoin d'un coup de main. Oh, je vous remercie.
Yahoo! Vous êtes rudement bien tombé. Je suis Sally. Lui, c'est Sonic. Enchanté. Moi, c'est Griff. Oh, ma pauvre tête! Oh, quelqu'un pourrait-il m'indiquer la sortie? Les Cerbères, suivez-moi. Attendez-moi! Où allons-nous, Griff? À Submobius. Hein? Submobius? Oui, nous avons échappé au Cerbère de Robotnik et construit une ville souterraine. Nous sommes une trentaine. On a entendu parler de vous! Bien monté à bord, ami. Qu'est-ce qui craque? Oh, la boîte de vitesse a besoin d'être révisée. Pas que la boîte de vitesse, soit dit sans vous enfoncer. Sacrebleu, nous allons nous retrouver en pièces détachées. Ne t'inquiète pas, Antoine. Ça nous protège des rabots. Des rabots, dites-vous? Oui, des rats robots que Robotnik a créés pour causer les galeries. Puis il les a abandonnés. Maintenant, ils rôdent dans le noir, incontrôlés. Oh. Les rats sont dangereux, l'un d'eux plus particulièrement. En effet, c'est un mutant beaucoup plus gros que les autres. Soyez les bienvenus à Submobius, combattant de la liberté. C'est magnifique! Oui, géantissime! Content de vous revoir, Griff. Bon voyage dans l'ensemble? Non, Dirk, pas très. Je te raconterai cependant. J'ai rencontré des combattants de la liberté. Votre présence nous honore. Oh, mille grâces, mille grâces! Ceci, c'est notre chambre d'énergie qui alimente Submobius, sans aucune pollution. Miel, nous devrions utiliser un système comme ça à unisson. C'est vital. Suivez-moi. Oh, 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 oh! Est-ce que mon nez me joue des tours, ou bien c'est l'odeur de chili hot dog? Boule à ta jambe. T'as vraiment l'intention d'avaler une douzaine de chili hot dog? Oui, juste pour boucher un creux. On passera aux choses sérieuses un peu plus tard. Tiens, régale-toi. Oh, passez-moi, je dois sûrement rêver. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Sonic! Sonic! J'ai besoin de toi! Des rabots se sont infiltrés dans les canalisations! Oh. On est coincés! Je peux réparer, mais il me faudra du temps. Pas de problème. Je vais m'occuper de ces rabots. Sonic, méfie-toi de leur queue. Hé, les rabots! Wow! Un peu léger comme attaque. Rien de plus sérieux à proposer. Sonic, derrière toi! Wow! Mets des lunettes! Allez, les rabots, ne me dites pas que vous avez peur, hein? Une poule sur un mur qui picore du pain dur. Waouh, c'est chaud! Et ça vous dirait un bon petit hérisson, pomme vapeur? Venez vous servir! Ouais. Pas mal le coup d'autocuiseur, non? Oh, je crains qu'il ne te fasse. Il faut y trouver un autre coup pour celui-là! C'est le mutant.
Griff, cette boîte de vitesse, ça vient. Mais non, elle ne se débloque pas. Rien à faire. Je vais vous pousser. Accrochez-vous. Nous pousser et avec quoi? Avec ça. Ça a décoffé. Le survoltano fait des merveilles. Le survoltano? Vitesse grand V. Waouh! C'est extraordinaire, je n'en reviens pas. Oh, cet anneau, comment est-ce que ça fonctionne? Mon oncle Jules est le seul à le savoir. Il me les a fait avant d'être capturé et robotisé. Il existe d'autres survoltanos, si je comprends bien. Oui, nous en recevons un toutes les 12 heures. Waouh, fantastique! Je n'ai jamais vu une telle concentration d'énergie. Tu permets? Attrape! Cela dit, il me reste une question à régler. Salut! C'est vraiment extraordinaire. Il y en a d'autres? Oh! Ça ne tiendra pas 24 heures de plus, Griff. Non, Dirk, on ne peut pas laisser ça comme ça. Les combattants disposent d'une source d'énergie énorme, mais ils tiennent à la protéger. Il faudrait qu'ils nous aident. Est-ce qu'ils y seraient prêts? J'ignore si on peut leur faire confiance. Mais j'ai une petite idée. Sonic! Hein? Sonic! C'est terrible, terrible! Je n'arrive pas à croire ce que tu dis! Mais tu n'arrives pas à croire quoi, Twan? Griff, il est en train de voler le cœur de ma princesse! Pour de vrai? Oh, mais viens voir, ça vaudra tous les discours! Adieu! Oh, sacre bleu! Oh. C'est le plus horrible jour de ma jeune et prometteuse existence! Ouais, eh bien, il aura beau faire ce qu'il voudra, il ne m'arrivera pas à la cheville droite! Oh, merci pour les fleurs, Griff. Elles sont magnifiques. Elles le sont moins que vous, Sally. Oh. Un cadeau pour toi. Oh, Sonic, comme c'est gentil. Et en plus, je t'ai fait un poème. Toi, tu as fait un poème? Accroche-toi les pieds au sol, parce que tu risques de sauter à 20 000 mètres d'altitude. Cherche-en un plus rapide. Tu ne pourras jamais le trouver. Je suis un bolide. Je brûle le plancher. Les jaloux diront le fou en parlant de moi. Mais moi, je suis fou de toi. Voici pour vous, ma princesse. Oh, merci, Antoine. Il ne fallait pas... Et en plus, je vous ai composé une ode. Pardon, une quoi? Un code. Un poème. Oh, oui, un poème. J'ai été visité par les muses. Oh, pour vous, j'arracherai ma tunique à brandebourg pour que vous voyez mon cœur battre comme un tambour. Et comme troubadour, t'as le bonjour. Oserais-tu te gausser de mon œuvre? Je ne sais pas ce que tu racontes, mais c'est nul. Ah oui, laissez-moi vous dire, monsieur, que vous êtes un mal appris. Bon, restons-en là. Vous n'êtes pas courtois envers Griff. Ça branche qui? Qui s'en soucie? Moi, messieurs. Il nous a sauvé la vie et j'estime que vous lui devez des excuses. Tu voudrais que je présente des excuses à un gars qui veut me voler ma nana? Oh, je ne suis pas ta nana. Depuis quand? Depuis tout le temps. Alors j'attendrai. Je n'essaie pas de te voler, Sally, Sonic. Parole. Bon, ça va. Et oublions cela et permettez-moi de vous reconduire en surface. Je vous dois bien ça. Je rentre à pied. Raccompagnez-moi, s'il vous plaît, Griff. Quoi? Retour au paradis. Ça vous plairait de faire le tour d'unisson? Merci, mais il faut que je reparte. Bonne idée. Tu viens, Sally? Au revoir, Griff. Et merci pour tout.
Donnez-moi votre jolie main, ma princesse. Non, merci, Antoine. Bon, j'espère vous revoir, ami combattant. Qu'y a-t-il? Ce sacré moteur fait encore des siennes. Oh, en ce cas, pourquoi ne passeriez-vous pas la nuit ici? Vous pourriez le réparer demain matin frais et dispo. C'est extrêmement gentil à vous, mais... Très bien, j'accepte. Halt! Veuillez décliner votre identité, je vous prie. Arrête, Antoine. Tu sais bien que c'est nous. Vous m'envoyez navré, ma princesse, mais un garde royal digne de ce privilège doit toujours être vigilant. Tout particulièrement lorsque des étrangers frappent à notre porte. Antoine, tu n'es finalement qu'un petit bourgeois. Bourgeois? Ah, de la renardière? C'est ici que naissent nos anneaux. C'est intéressant, mais l'explication ne me semble pas très claire. Super, en voilà un. Nous avons de la veine. Oh, absolument extraordinaire. Princesse, griffe. Ça fait peur. Oh, excuse-moi, mais j'ai bien réfléchi. Je vois. Tu as mis une autre tactique au point. Ah, très drôle. Merci, Sonic. Toujours aussi jaloux? Moi? Jaloux? Répète, je n'ai pas très bien compris. Ça veut dire en bref que tu parles sans savoir. Moi, je parle sans savoir. Tu te prends pour un perroquet? Je vais te dire qui parle sans savoir. Ah oui. C'est simple, regarde-toi dans une glace. Tout ce que je vois, c'est l'image de la perfection. Non, c'est pas vrai. Escogriffe, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Intelligence mise à part. Sonic! Quoi? Ma princesse! Oh, c'est catastrophiquement catastrophique! Mais qu'y a-t-il, Antoine? Oh, je n'en sais rien. J'ai comme un pressentiment. Hein? Je surveillais le bassin aux anneaux et tout en... Non! Oui, il se passe quelque chose de pas géantissime du tout. Pierre du survol a disparu. Quoi? Mais qui aurait pu... Devine. Qu'est-ce que c'est? L'aérotraîneau de Griffe s'est envolé. Oh. Et j'ai trouvé ça. Sacre bleu! Griffe aurait emporté la pierre de survol. Oui, madame. Oh. Et je vais aller la rechercher vite fait. Ça va chauffer!
que ça marche. Autrement... Gris, les rapports sont passés. Ils arrivent. Oh. Je veux bien faire joujou de temps en temps, mais ma patience a des limites. À moi! Hé, hey, les ratatouilles, par ici! Vous déclarez forfait ou quoi? Oh! Waouh! Hein, on dirait pas. Eh bien, c'est d'accord, on joue les prolongations. Coucou! Et si vous avez besoin de moi, vous n'avez qu'à me demander. Merci, Sonic. Hein? Garde tes merci, Griff. Dis-moi plutôt où est la pierre de survolt. Je m'en suis servi pour que notre cristal énergétique ne s'éteigne pas. Ce cristal nous est indispensable. Nous ne pourrions pas vivre sans lui. Et ça ne te donne pas le droit de nous la piquer sournoisement. J'en suis désolé. Nous étions au désespoir. Alors, où est la pierre? Écoutez, Griff, vous avez commis une mauvaise action. Mais nous sommes tous dans le même combat contre Robotnik. Ça devrait vous tenir à flot un moment. Sonic, je ne sais pas comment te remercier. Remettez le chauffage, je crains l'humidité. Tu es le meilleur d'entre tous. Merci, je le sais.